Hello mes chéris, c'est Fatouche Beauty, je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un smoothie que vous pouvez faire pour prendre du poids, voilà. Comme on le sait, on est dans tout, Fatouche Beauty parlera du teint, de tout ce qui est beauté du corps, voilà. Quand on dit beauté, on dit teint, on dit belle forme, voilà, on dit tout, voilà. Beauté complète en fait, voilà. Donc aujourd'hui on parlera d'un smoothie que vous pouvez faire pour prendre du poids, voilà, tous les jours ou bien trois fois par semaine, ça dépend de vous. Mais les smoothies, il faut le faire quand vous faites du sport, voilà. Vous pouvez faire des smoothies quand vous ne faites pas du sport, mais il n'y aura pas certains ingrédients en fait, voilà. Mais ce smoothie qu'on va faire aujourd'hui là, il faut impérativement que vous faites du sport pour que ça puisse marcher, voilà, pour que vous pouvez voir des résultats, voilà. Comme on le sait, il y a des personnes qui ont du mal à prendre du poids, mais comme je vous l'avais dit, le sport est le meilleur moyen pour prendre du poids. Voilà, pour celles qui ont qui sont très minces et qui ont du mal à prendre de la masse, c'est le sport qui est la solution en fait. Voilà, faire du sport, prendre des smoothies après chaque séance de sport, chaque séance d'entraînement, prendre des smoothies caloriques comme celui qu'on va faire là. Et puis, voilà. Donc, voilà, pour ce smoothie, vous allez avoir besoin de ce produit que vous voyez là, le Nutrimas. Ça se vend à la pharmacie. Je l'ai acheté à la pharmacie moi, mais il y a des gens qui le vendent sur Internet. Donc, c'est un produit qui contient tellement de protéines, voilà, c'est tellement protéiné. Quand vous faites de la musculation, donc on sait tout ce qu'on aura besoin de protéines pour avoir une reconstruction musculaire, pour que nos muscles puissent se développer rapidement. Il faudra donc prendre des protéines pour que ça puisse faire l'effet. Donc ce produit là c'est en tout cas c'est bon, voilà, ça contient beaucoup de protéines, des calories, des nutriments qui sont bons pour la reconstruction musculaire. Donc c'est un bon produit. Moi j'avais l'habitude d'acheter le Mastec Extreme 2000, voilà, c'est ce produit là que j'avais l'habitude d'acheter. Et parce que quand on est mince et qu'on a du mal à prendre du poids, on aura besoin de plus de calories que de protéines. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Voilà, on aura besoin de plus de calories que de protéines, et qu'il y a des protéines là comme celui-là, ça contient plus de protéines que de calories. Donc ça c'est bon, mais quand tu as déjà les résultats, que ça puisse faire l'effet. Donc, mais si tu viens de commencer et que tu es mince, tu as du mal à prendre du poids, le mieux c'est de prendre le Mastec Extreme 2000, voilà, parce que ça contient beaucoup de calories. Donc vous allez avoir dans un seul smoothie plusieurs calories, 1000 voire 1000 calories par smoothie avec ce produit là. Donc je vous conseille de prendre le Mastec Extreme 2000, voilà. Moi j'avais débuté avec ce produit là. Donc voilà, après vous allez prendre le flocon d'avoine. On sait tout ce que le flocon d'avoine, ça contient tellement de calories, c'est tellement calorique, les flocons d'avoine. Donc c'est important. Donc on a aussi besoin d'une banane. La banane aussi c'est protéiné, c'est calorique, voilà. On a aussi besoin du beurre de cacahuète, comme vous le voyez là. Le beurre de cacahuète aussi c'est tellement calorique, ça contient beaucoup de calories. Donc voilà, avec le mini mixeur que vous voyez là, c'est un mini mixeur. Vous pouvez prendre les grands mixeurs, ça dépend de vous. Voilà, c'est un smoothie qui est calorique. Vous pouvez avoir 500 voire 600 calories dans ce même smoothie là. Donc ça va vous faire prendre
du poids. Après chaque séance d'entraînement, vous allez boire 7 smoothies protéinés. Donc voilà, vous allez prendre la banane, vous mettez sur le mixeur. Après, vous prenez 2 cuillères du flocon d'avoine. Voilà. J'ai pas bien mesuré. Voilà. Après, vous allez prendre le beurre de cacahuète. Vous versez 1 cuillère. Ça dépendra de vous. Avec ce smoothie-là, j'ai pas bien mesuré. J'ai pris 3 cuillères de flocons d'avoine. Après, vous allez prendre 1 cuillère de beurre de cacahuète. Voilà. Et puis, vous mixez. Donc, c'est un smoothie qui est calorique, que vous pouvez prendre soit avant la séance de sport ou bien après la séance de sport. Voilà. Ça va permettre la reconstruction musculaire, donc vos muscles seront développés. Voilà, vous allez prendre du poids. Et voilà. Après avoir versé le beurre de cacahuète, la cuillère du beurre de cacahuète, soit vous mettez du lait ou bien de l'eau. Voilà. Mais de préférence, il faut mettre le lait. Voilà. Le lait entier ou bien lait concentré non sucré, ça dépendra de vous. Le mieux, c'est de prendre du lait, n'importe lequel. Et puis, vous allez tout mixer. Après avoir tout mixé, c'est tellement délicieux en fait. C'est tellement délicieux ce smoothie-là. Pour celles qui ne souhaitent pas faire du sport, il faut donc enlever le produit, le masque, le produit. Pour celles donc qui ne souhaitent pas faire du sport, il faut enlever le produit NutriMass. Donc voilà, parce que ce produit-là, on ne le prend pas quand on ne fait pas de sport. Voilà, on le prend juste en faisant du sport. Donc c'était ça pour aujourd'hui. C'est un smoothie qui est fait pour prendre du poids. Je vous donne rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas d'abonner, de partager. Si vous avez des questions ou bien quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez me les poser en commentaire. Voilà. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo.